C'est toi dont nous avons besoin. Descends en ce lieu et viens manifester ta grâce. C'est de toi dont nous soupirons. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta grâce. Et nous élevons ton nom en ce lieu. Nous élevons ton nom en ce lieu. Parce que tu es Dieu. Et parce que tu es grand. Pendant que les deux mains sont levées. Et pendant que les cœurs sont disposés. Nous te bénissons. Nous te glorifions et nous te célébrons. Esprit de Dieu, se meut dans la salle et avant que je vienne à cette veillée, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des anges en ce lieu. Et il y a une catégorie d'anges qui sont venus avec une trompette. Et cette trompette-là est dans la bouche de plusieurs personnes. Et Dieu me dit clairement que mes anges sont là avec cette trompette pour des personnes spécifiques, afin qu'ils puissent entrer dans l'appel et dans le ministère, afin qu'ils puissent entrer dans ce que j'ai prévu pour eux. Et l'Esprit de Dieu me dit clairement que ce soir, ce matin, il vient avec une onction pour te oindre, afin de changer ta vie. Afin que tu entres dans l'appel et dans le ministère qu'il a prévu pour toi. Je parle à la vie de 100 personnes qui m'entendent et qui me suivent. L'Esprit de Dieu va te toucher de là où tu es. Parce que l'appel de Dieu est sur toi. Et longtemps tu t'es dit que comment cela se passera? Comment cela se fera? Tu n'es pas, oh my God, là où ça il y va. Je ne serai pas obligé de te toucher. Mais la main de mon Dieu et la grâce de l'Éternel arrivera vers toi. Et cette trompette que j'ai vue va retentir au travers de ta bouche. Tes mains, ta bouche et tes pieds parleront et annonceront la voix de l'Éternel. Parce que Dieu me dit qu'il t'a mis à part et il t'a caché. Il t'a caché, il t'a caché, il t'a caché. Afin que tu puisses parler de sa part et afin que tu puisses annoncer sa parole. Et pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit va te saisir de là où tu es. Pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu va te saisir de là où tu es. Et tu ne pourras pas t'arrêter sur tes pieds parce que la puissance du Saint-Esprit, les anges de Dieu touchent tes pieds, touchent tes mains et touchent ta bouche. Il y a des personnes qui vont commencer à courir. Excellent enfant de Dieu, attention, je vois la grâce de Dieu et je vois des personnes qui commenceront à courir. Et je demande à l'ange pourquoi elle court. Il me dit c'est une onction d'accélération, une onction pour le ministère, une onction d'accélération, une onction pour le ministère. Je compte jusqu'à 3, Saint-Esprit envoie-les par ta grâce et par ta puissance. 1, 2 et 3, envoie-les Saint-Esprit, je vais les toucher, envoie-les, je vais les toucher Saint-Esprit. Parce que la grâce et la puissance est sur eux. Tu les as mis à part pour qu'ils annoncent ta parole. Où sont-ils, Saint-Esprit? Tu m'as envoyé pour eux. Tu m'as envoyé pour eux. Tu les as oint, Saint-Esprit. C'est pour eux que je suis là. Saint-Esprit, touche-les et donne-leur une onction prophétique. Une onction prophétique. Ah, Mao Savaro Sabayonsa. Je suis en train de voir une catégorie de personnes. Et dans votre bouche, je vois la trompette de Dieu. Et tu dois prophétiser de la part du Seigneur. Tu dois prophétiser et tu dois annoncer la parole et les oracles de Dieu. Saint-Esprit, touche. Touche. Et ils t'ont dit que rien de bon ne sortira de toi. Et ils t'ont dit que c'est fini pour toi. Et ils t'ont dit que tu ne pourras pas. L'Esprit de Dieu me charge de te dire. C'est le temps de la grande moisson. C'est le temps de la grande moisson. La vision que tu as vue, et tu as vu cette grande foule autour de toi, c'est une vision prophétique et c'est la pensée prophétique pour toi. Tu ne peux pas échapper à cette grâce. Tu fais partie d'une génération étoilée. Tu fais partie d'une génération étoilée. Tu fais partie d'une génération étoilée. Tu fais partie d'une génération de grâce. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu fais partie d'une génération étoilée. Tu ne peux pas résister à cette grâce, ni à cette onction. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas résister à cette grâce, ni à cette onction. La puissance de Dieu et la gloire de mon Dieu arrive vers toi. Elle arrive vers toi. Tu vas soupirer après Dieu. Tu passeras des heures dans sa présence.
Parce qu'il t'a un pour. Lao savayan savaha. Libaron son savarabaha. Layan savara ideva. Je cherche trois personnes dans cette rangée. Je cherche trois personnes. Et depuis que je parle, la puissance du Saint-Esprit est sur toi. La grâce de Dieu, elle est sur toi. Je cherche trois personnes dans cette rangée. La grâce de Dieu est sur toi. L'appel de Dieu est sur ta vie. Et Dieu t'a consacré prophète sur les nations afin que tu annonces sa parole. Saint-Esprit, où sont ces personnes? Saint-Esprit, où sont-elles? Où sont ces personnes? Envoie-les maintenant. Je veux juste les toucher. Envoie-les maintenant afin que ta grâce les touche. Service d'ordre, soyez fort. J'ai une vision, il y a une personne qui va courir vite. Elle va courir à la vitesse de la lumière. Soyons forts. Elle va commencer à courir. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne saura pas pourquoi. Mais c'est la main de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Holy Spirit, appelle-la maintenant. 1, 2, 3. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Attention, service d'ordre, attention. Reçois la grâce. Cette autorité est sur ta vie. Cette grâce est sur ta vie. Cette lumière est sur ta vie. La vision que tu as eue est une vision divine. C'est la pensée prophétique de Dieu pour toi. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échouer. C'est la pensée et la grâce prophétique de Dieu sur ta vie. Je me joins à l'ange de cette maison. Je me joins à l'ange de l'homme de Dieu, mon frère, le prophète Ferdinand Ekane. Je me joins à cet ange-là, la lumière de Dieu. Et l'ange de Dieu me dit, il y a des personnes dont le mariage a été enterré. Le mariage a été enterré. Et je suis venu également pour vous. Et pendant que tes deux mains sont levées, là où ton mariage a été enterré, je le déterre maintenant. 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 Reçois la grâce.